lancement qui symbolise la relance du programme sino-congolais après sa révisitation dès la signature des 14 mars 2024 de l'avenant numéro 5 à la convention de collaboration du 22 avril 2008. Ainsi donc, le projet de construction de la route Kananga-Kalamambouge qui nous réunit ce jour s'inscrit dans le cadre du plan quinquennal 2024-2028 du gouvernement de la République qu'exécute le ministère des Infrastructures et Travaux Publics, financé par le programme sino-congolais, de manière à garantir la continuité de l'exécution des travaux jusqu'à leur achèvement total. Avec conviction et assurance, nous pouvons sans peur d'être contredits dire que cette infrastructure routière sera construite cette fois-ci. Il y a plus de 10 ans que des efforts de remise en état de la route Kananga-Kalamambouge se sont mis sans atteindre les résultats escomptés. Sur la liste de causes à cette difficulté, la question de financement. Ces tronçons d'environ 230 km, plus